Amis du mardi, c'est permis. Bonsoir. Vous pouvez vous installer. Bon, si tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Et n'oubliez surtout pas que je vous donne rendez-vous juste après. À tout à l'heure. Les voix du passé résonnaient dans mon esprit. Ce jour-là, j'avais emmené mon fils dans mon ancien lycée. J'avais envie de revivre avec lui une période magique de mon existence, de renouer avec une époque où ma vie était pleine de l'innocence de la jeunesse. Mon rêve d'enfant, de devenir un grand joueur de basketball, comme mon père. Il était mon héros, mon pote, le meilleur ami qu'un gamin pense avoir. Mais hélas, il n'était plus de ce monde. Sa mort m'avait brutalement rappelé que la vie n'est qu'une ombre fugitive. Chaque instant est un don précieux qu'il importe de partager avec quelqu'un. Je voulais dévoiler à mon fils mes sentiments les plus secrets et mes souvenirs d'une enfance merveilleuse. Ainsi, je comptais l'inciter à voir à travers mes yeux et l'aider à comprendre qu'avec de la patience et de la ténacité, les rêves peuvent se réaliser. C'était là ce que mon père m'avait transmis en héritage plus de 30 ans auparavant. Comme si c'était hier. C'était le début d'une aventure incroyable. Cette année-là a transformé ma vie à jamais et a modifié le cours de ma destinée. 1959,
Une période innocente d'espoir et de changement aux États-Unis. Une période où les gens pensaient sincèrement que tout était possible. Du moins, c'était comme ça chez les Maravich. Ah, ça, ça me plaît. Voilà un jeune homme qui est plein de confiance. Nous avons voté à l'école. Qui l'a emporté? Nixon. Moi, j'ai voté pour Kennedy. Tu es comme ton père. Il vote toujours pour des tocards. Des tocards? John Kennedy nous fera bâtir des maisons sur la Lune en 1970. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il a confiance. Laisse-le prendre son petit déjeuner. Ça va beaucoup changer au cours de la prochaine décennie. Papa était un optimiste. Et il trouvait toujours des moyens géniaux pour développer ma confiance. J'ai bien regardé Gene Autry l'autre soir. Et tu sais ce qui m'a frappé, c'est qu'un bon joueur de basketball se sort aisément de n'importe quelle situation s'il a les mains aussi rapides que des mitraillettes. Regarde, je vais te montrer. Donne-moi le ballon. Mets-toi debout, je vais te faire voir un exercice. Tourne-toi. Mets les mains le long de tes cuisses. Voilà. Bon. Tu vas m'écouter attentivement et tu vas te concentrer. Bombe le torse. Ce serait dommage qu'on croie que tu n'as rien dans le ventre. Ouais. En arrière, les épaules. Voilà. Quand je vais lâcher le ballon, je veux que tu claques tes mains devant toi et que tu attrapes le ballon derrière toi. Mais il faut que tu te concentres. Et surtout, ne m'écoute pas. Ne m'écoute pas, ne m'écoute pas. C'est impossible. Impossible? Voyons voir si tes mains sont des mitraillettes, toi. Vas-y, Hélène. Prêt? Surtout, ne m'écoute pas, prêt. Toi, tu croyais que tu y arriverais. Moi, je savais que j'y arriverais. La confiance. Mais les exhortations paternelles ne changeaient rien au fait qu'au lycée, j'étais un inadapté social complet. Un petit morveux, impopulaire, plein de grands rêves. Mais ce pays n'avait-il pas été fondé par des gens tout à fait ordinaires qui osaient croire que les grands rêves se réalisent? C'est ce que l'on nous enseignait. Vous pouvez vous asseoir. Bon, aujourd'hui, nous allons un peu parler des rêves. Plus spécifiquement, du fameux rêve américain. Alors, qu'appelle-t-on rêve américain? C'est un concept. Une croyance dans le fait que tout est possible. Quelle vision avez-vous dans la tête aujourd'hui? Qui aimeriez-vous être? Je veux qu'en une heure, vous m'écriviez en 200 mots vos rêves pour l'avenir. Pas de questions? Bon, eh bien, dans ce cas, allez-y. Comment aurais-je pu exprimer avec des mots un rêve, quelque chose que je sentais dans mon cœur? Quand j'étais en quatrième, la seule chose dont je rêvais était d'être un grand basketteur comme mon père. Mais avec mon 1m57 et mes 41 kilos, qui y croirait? Je pense que seul mon père et moi pouvions y croire au début. Quand je n'étais pas sur un terrain de basketball, la seule chose à laquelle j'arrivais à penser, c'est que d'autres enfants étaient peut-être en train de s'entraîner plus que moi. Et j'avais le sentiment que si je ne me donnais pas plus de mal, ils décrocheraient la bourse qui m'était destinée. Oui, Peter? Est-ce que je peux aller au... Ici à 3h30 cet après-midi. Nous parlerons de cette situation. Je m'imaginais que quand papa apprendrait que j'avais séché le cours, soit il me collerait une fessée maison, soit il me consignerait dans ma chambre pour le restant de mes jours. Walter!
Non, 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 non! Attendez! Tu dois accompagner l'adversaire contre l'écran. Serrez-vous contre lui, miche à miche. Collez! Oui, miche contre miche. C'est compris? Oui, monsieur. Allez, on continue. Mettez-vous en place. John! Non, c'est pas ça! Venez tous! Mon père était un officier de la marine à la retraite. Un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Un homme très sérieux quand il s'agissait d'entraîner et d'encourager ses joueurs de l'université Clemson. Pour papa, la façon dont quelqu'un jouait au basketball était le reflet de la façon dont il vivrait toute sa vie. Ses équipes savaient à quoi s'en tenir. Quand il parlait, on l'écoutait. Je n'ai pas envie de gaspiller des heures précieuses de ma vie à vous apprendre comment on lance un ballon dans un cerceau en fer. C'est une façon de vivre. Je veux que mes joueurs pensent. Bosse, transpire, qu'ils tentent de se dépasser, ça impose une discipline, parce que tout le reste, c'est pas la peine, ça vaut pas le coup. Pour personne. Le problème est simple avec vous. Vous êtes une bande de crétins parce que vous croyez tout savoir. Donne-moi le ballon. Vous voyez ce cercle? La taille de ce cercle représente tout ce que je sais à ce jour à propos de basketball. Mais la taille de ce ballon représente tout ce qu'on ne sait pas sur ce sport, tout ce qu'on n'a pas encore découvert. Ce point, c'est ce que vous savez. Pas plus. Si vous oubliez un peu les filles et les bagnoles, et si vous m'écoutez bien, vous serez capable d'accomplir des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Je me fiche que vous soyez gros, lent, grand ou petit. Vous serez parmi les meilleurs du monde si vous vous décarcassez pour devenir encore meilleur. Allez, on rejoue ces dernières passes et cette fois on joue bien. Allez, allez, on y va. Allez. Oui. Cette fois, il faut qu'ils y arrivent. À moi. Et vas-y. Bon. Ouais, 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 vas-y. Là. Là, là. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux. Parfait. Plus tard dans l'après-midi, il fallait que j'essuie les foudres de Vern Pendleton, l'entraîneur du lycée. T'es plutôt gringalé pour un Maravich. Ta maman t'a allaité? Ouais, monsieur. Enfin, tu proviens d'une bonne souche. Je serais surpris de te voir dans une équipe de football, ça c'est sûr, mais il y a des chances pour que tu puisses jouer au basketball. Oh, c'est que j'en ai dans le ventre. Quoi qu'il en soit, tu connais mon bras droit, je pense, Carl Comfield, le serveur de chez Tritz. Ouais. C'est lui qui te fournira l'équipement dans le vestiaire. Tu as le casier 41. On va commencer dans 2 minutes. Hein? Bah, tu veux faire partie de l'équipe du lycée, oui ou non? Ah oui? Bah alors, grouille-toi un peu. Mais enfin quoi, il faut que je te porte, tu vas être en retard. Allez, magne-toi. C'était la chance de ma vie. Jouer dans l'équipe du lycée. J'étais loin de me douter que ce serait en réalité le début de mes gros problèmes. Les gens qui sont différents ne sont pas toujours accueillis à bras ouverts. Je me rappelle mon premier jour d'entraînement, je n'étais pas à ma place. On ne m'a même pas donné une tenue à ma taille. Hé, hey, Carl! Carl! Qu'est-ce que tu fais? Allez! Je vais m'entraîner avec l'équipe. Tu ferais bien de te dépêcher, on va commencer. Mais le suspensoire est trop grand! Il est trop grand! Il m'en faut un plus petit! Alors, t'as les baloches qui balottent? Bon, allez, tout le monde en place. On commence. Est-ce que c'est le fils de Maravich? Ouais, je sais pas pourquoi papa l'a pris. C'est un casse-pied de première. T'as jamais vu dans les couloirs? Il se trimballe partout avec son ballon débile. Il lui manque une case, je crois. Bon, en tout cas, il a du mérite d'essayer. Il n'a pas peur.
Au revoir. Tout ce qui intéressait Pendleton était le nombre de matchs gagnés ou perdus. Aussi longtemps que les Lions gagneraient, je savais qu'ils ne me feraient jamais jouer. Je voyais bien que mes chances de prendre la place d'un joueur senior étaient à peu près nulles. Et si Buddy, le fils de Pendleton, avait son mot à dire, je ne poserais jamais le pied sur le terrain. Buddy Pendleton vient de reprendre le ballon. A marqué, ouais! Je n'étais pas prétentieux. Et la confiance que j'avais en moi me disait que je pourrais mieux jouer que la plupart des gars de l'équipe. Cette confiance me venait de 2000 heures et quelques que j'avais passé à pratiquer les exercices de papa depuis que j'avais 5 ans. Mon père avait développé en moi la discipline, l'opiniâtreté et l'ambition. Et c'est tout cela qui m'aidait à croire que je pourrais prendre la place de n'importe qui. Y compris celle de Buddy Pendleton. S'il n'y avait pas eu Carl Canfield, je serais mort d'ennui. Pendant que les autres célébraient notre saison victorieuse, je piaffais d'impatience. Et je me demandais si j'aurais jamais une chance de disputer un match. Hé, champion, passe-moi la clé qui est dans la boîte à outils. Merci. Quand on est si près du panier, on a l'impression que c'est impossible de manquer un point. J'aimerais bien être grand comme ça, moi. Sans blague. Tu sais, un gars m'a dit un jour qu'à son avis, j'avais une case en moins quand je lui ai dit que je voulais devenir professionnel. C'est vrai? Hein? Évidemment, il n'avait jamais pris le temps de me regarder jouer. Donne-moi le ballon. Quand on est par terre, tout paraît difficile. On a l'impression de combattre des moulins à vent. Passe-moi l'autre ballon. Le type qui ressent ça, il voit ses limites. Mais le rêveur, c'est le genre de gars qui est persuadé qu'il peut passer deux ballons à travers le panier. Quand on rêve, tout est possible. Bon, allez. Si on faisait quelques paniers. D'accord, mais c'est moi qui commence. Si tu veux. Tu sais, quand j'étais en quatrième, moi aussi je restais assis sur le banc. Exactement comme toi ce soir. Je sais ce que tu as ressenti. Tu avais les mains moites et le cœur qui cavalait comme un train de marchandises. Tu finiras par jouer un jour. Les supporters là-haut, ils ne sauront pas ce que tu ressens. Ils vont juste espérer que ce nouveau joueur qui arrive sur le terrain se débrouillera pour aider l'équipe qu'ils aiment à gagner. Quand tu y réfléchis bien, le rêve, c'est rien de plus qu'un énorme défi que tu te lances à toi-même. Allez, à toi. Tu vois ce que je veux dire, Pete? Oui, monsieur. Il est 10 heures passées, presque, Maravich. Les voisins ont téléphoné. Sans blague. Qu'est-ce qu'ils font debout à une heure pareille? Très amusant. Ça va encore durer longtemps? Jusqu'à ce que je le batte. Place au rêve. Le premier qui arrive à 7. Reste ici, chérie. J'ai besoin de mon fan club. Tu aurais surtout besoin d'une bonne fessée. Quand conduiras-tu comme quelqu'un de ton âge? Quand tu accepteras le tien. C'est fini. J'ai gagné. Tu appelles ça un panier? Eh ben, le ballon est entré, non? Ça suffit, les gars. Viens, Pete. Tu devrais être au lit. Pete, qui est le meilleur joueur de basketball de tous les temps? George Mikan. Non. En 1950, il a tourné à 31 points par match. Et alors? D'accord. Alors peut-être Nat Holman. Il jouait avec les Celtics. Grand penseur et grand passeur. Oh, mais non, trop limité. Trop? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi pas Dutch Dennert? Je peux pas être objectif. C'était lui mon entraîneur quand je suis devenu pro. Pas mal, mais rien dans le cigare. Rien dans le cigare. C'est ça, grosse tête. Alors, qui est le meilleur joueur de basketball de tous les temps? À toi de me le dire, pas. Bah, c'est mon fils.
qu'est-ce que tu fais? Je cours. Mais enfin, on a un match dans une heure. Ouais, je sais. Et peut-être que je devrais garder mon énergie pour quand je resterai sur le banc. Pour la première fois de ma vie, j'avais officiellement le béguin. Et c'était pour Sandy, la capitaine de nos supporters. Je savais que je risquais ma vie en adressant la parole à la petite amie de Buddy Pendleton. Elle était si belle. Mes genoux s'entrechoquaient quand je lui parlais. Je t'ai vu jouer dans la pièce l'année dernière. Tu veux devenir actrice? Oui, c'est ça. Marilyn Monroe. Tu vas devenir une star? Ça, j'en doute. Alors pourquoi tu joues dans une pièce? Elle a probablement pensé que j'étais un petit crétin prétentieux. Mais il fallait que je le dise. Je ne comprenais pas pourquoi elle perdait son temps à jouer les actrices s'il ne se donnait pas les moyens de devenir la meilleure. Foutez-lui une peignée! Oh, tu devrais aller te faire soigner la tête, patate! C'est toi qui le remplace. Fonce, mon petit gars. Tu fais jouer le mioche? Toi, t'es un joueur, c'est moi l'entraîneur. Allez, allez, roule-toi! Alors, voilà ce qu'on va faire. Presse! Enfin, tout arrive. Vous laissez pas faire. Restez dans le jeu, les enfants. Toi non plus, te laisse pas faire. Joue bien. Vous allez voir, on les aura, on les aura. Y a pas de problème. Un, deux, trois, les lions! Ouais! Jusque-là, je croyais qu'on était des bons. Mais en fait, on vaut pas un rotin. En 30 ans de métier, j'ai jamais vu offrir la victoire à l'adversaire comme ce soir. Et toi, Maravich, ton basketball de demeurée, c'est bon pour Barnum et ses clowns. Mais ici, au lycée Daniel, ça n'est pas du basketball. Alors tâche de penser à tout ça ce week-end. Si tu acceptes de jouer au basket comme il faut, je suis d'accord pour te garder dans l'équipe. Sinon, laisse tomber. Hé, hey, Pete, je t'ai trouvé extra ce soir. Ouais, on a perdu. On ne peut pas gagner tout le temps. Ouais, mais quand on perd, les gens se souviennent tout le temps, alors... En tout cas, je t'ai trouvé extra. Si t'es malin, tu démissionnes, ce soir. Il ne l'a pas fait exprès. Allez, casse-toi. Tu prends sa défense? C'était un accident, Buddy. C'est ça, si tu le prends comme ça, je sors avec les copains, ce soir. Ni Sandy, ni personne ne pouvait savoir ce qui se passait en moi. Buddy! Hé, Maravich!
Merci beaucoup, l'as des as. Cette défaite me faisait l'effet d'un coup de couteau dans le cœur. Je m'étais conditionné à croire que seule la victoire était acceptable. Rien moins que ça. J'avais l'impression d'avoir trahi les gars de l'équipe. Les supporters, le lycée Daniel et mon héros, mon père. Je savais que je te trouverais ici. C'était bien vu, cette passe. Écoute, Pete. Tu as quelque chose que l'homme le plus riche du monde ne pourra jamais acheter. Tu as un don. Pour l'instant, tu as l'impression que tu n'es pas à ta place et que tu fais tout de travers. Mais crois-moi sur parole. Tu es sur la bonne voie. Si tu cultives ce don que Dieu a bien voulu t'offrir un jour, tu verras, tu joueras dans une équipe universitaire, je le sais. Et si tu es assez bon, tu obtiendras une bourse. Peut-être même que tu joueras avec des pros et que tu participeras à un championnat. J'avais dû entendre ces paroles au moins 1000 fois. Mais c'est cette nuit-là que j'ai pris conscience que je voulais devenir le meilleur. Thank you.
Est-ce que tu as dit à Pete qu'il vaudrait mieux qu'il quitte l'équipe? On a parlé. Bon. Comme d'habitude, mon opinion ne compte pas. Hélène, je t'assure... Là, nous touchons au cœur du problème, Press. Tu te bats toujours contre des moulins à vent. Attends un peu. Que veux-tu dire par là? Libre à toi de ne livrer que des combats perdus d'avance. Mais est-ce que notre enfant doit faire la même chose? Ne dis pas n'importe quoi. Il y a quelques semaines, tu sautais de joie parce que Pete faisait partie de l'équipe. Je sautais de joie parce que je savais à quel point il veut être exactement comme toi, dans une équipe universitaire à 13 ans. Mais ça n'arrivera jamais, parce que tout ce que Vern Pendleton voit, c'est un gamin de 41 kilos et 1m57. Non, non, tu ne comprends rien à ce qu'il ressent en ce moment. Ce que je comprends, c'est qu'il souffre. Mais bien sûr qu'il souffre. Quand j'avais son âge, je me décarcassais pour sortir des aciéries pourries d'Aliquippa. Et mes poumons étaient pleins d'une fumée épaisse, et mes mains, à force de travailler 15 heures par jour, elles étaient en sang. Je ne souffrais pas, tu crois? Mais ça forge le caractère. Cette douleur au fond de moi, dans l'âme, c'est elle qui m'a poussé, oui, qui m'a poussé à mieux faire. Je peux me tuer à lui donner des conseils. Mais tant qu'il ne sentira pas la même brûlure, mes paroles ne voudront rien dire. Mais ce n'est encore qu'un gamin. Je sais. La plupart des enfants dorment avec un ours en peluche. C'est dur d'être un gamin et de poursuivre un rêve d'adulte. À travers la douleur, les larmes et la confusion, je savais que je devais m'accrocher à mon rêve. Pour papa et pour moi. Tant pis si personne d'autre ne comprenait ce qui se passait au fond de moi. L'émotion et l'attention me submergeaient. Je me perdais dans les exercices que papa m'avait appris. Accompagner le geste. Toucher de balle. Accompagner le geste. Toucher de balle. Fouetter. Bien souvent, au cours de ces nuits solitaires, c'était les exercices de mon père qui m'aidaient à ne pas craquer. Accompagner le geste. Toucher de balle. Il y a des gens qui font tout pour qu'on ne les aime pas. 4 semaines avaient passé depuis que j'avais blessé Buddy au visage. Je me sentais toujours seul, comme un poisson qui nage à contre-courant. Ah, l'avorton, il paraît qu'on a trouvé ton ballon en bas. Ça marche à tous les coups. Bon, comme vous le savez, ce mois-ci, tous les jours, nous demandons à l'un d'entre vous de faire partager ses rêves au reste de la classe. Peter, c'est à toi aujourd'hui. Mon rêve est d'entrer à l'université avec une bourse pour jouer au basketball. Silence. Ça suffit. Continue, Peter. Et ce sera moi, le tout premier homme à gagner des millions de dollars en tant que professionnel du basket. Hé! En outre, je veux disputer le championnat et y remporter une énorme coupe où il sera écrit que je suis l'un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Très bien, Peter. Merci. Écoutez, je vais vous parler au sujet de Pete. Voilà, soit il n'est pas assez bon pour jouer dans votre équipe, soit il l'est. Mais si ça vous amuse de lui faire faire tapisserie, alors là, vous êtes plus débile que je ne croyais. Arrêtez, mon vieux, alors là, vous déraillez. Sans blague. Je voudrais juste savoir pourquoi vous ne faites pas jouer Pete. Il faut qu'il mûrisse, Press. Qu'il mûrisse.
Il a plus de discipline et de maturité que vos 5 vedettes. Y compris Buddy, votre fils. Ça m'ennuierait que cette conversation devienne trop personnelle. C'est sûr, votre fils a pas mal de talent, il a juste besoin d'être un peu domestiqué. Mais quand on a un bon cheval, on le fait courir. Écoutez, je ne voudrais pas vous dire ça, mais vous êtes en train de me forcer la main. Allez-y, racontez. Je suis prêt à tout pour savoir ce que vous avez derrière la tête. Mais votre fils est mal parti, si vous voulez mon avis. Je vous écoute. J'ai vu votre fille jouer au basket avec un petit nègre. Je les ai surpris à plusieurs reprises. Désolé d'avoir à vous dire ça, mais je pense qu'il vaut mieux que vous soyez au courant. La façon dont il joue, c'est bon pour les Harlem Globetrotters, mais au basketball, vous avez vu ce qui s'est passé quand je l'ai fait jouer, il a failli péter le nez de Buddy l'autre soir. Vous plaisantez ou quoi? À mon avis, votre fils aurait dû rattraper cette passe. Ce qu'il y a, c'est que Pete joue au basketball de façon instinctive. Il ne va pas rester pendant 10 minutes à réfléchir à une passe ni faire signe à ses partenaires. Vous comprenez ce que je vous dis? Il savait que Buddy était démarqué, il le savait. Pete a des aptitudes que l'on n'a jamais vues chez personne. Vous le laissez pieds et poings liés alors que vous avez là un gagnant assuré. Laissez-lui un peu de liberté. Hein? Qu'attendez-vous pour lui donner une chance? Qu'est-ce qu'on fait, papa? On va en homme ou en zone? Prépare-toi, Walker. En homme, à homme. Ouais, en homme, à homme, on y va! Battez-les! 1, 2, 3, et on monte! C'est criminel, ça, enfin quoi, bougez-vous un peu! J'ai cru que tu allais jouer. Ouais! Oui! Allez, les lions! Je vous ai dit de le prendre au rebond, le rebond, vous savez ce que c'est? Tu l'as senti, c'est ça? Quoi? La passe à Buddy. Ouais, c'est ça. Comment tu savais qu'il était démarqué? Ben, je le savais, c'est tout. Maintenant, ben, va t'asseoir. Pete, va remplacer Walker. Tu vas, le minus. Capfield, est-ce que c'est le petit Maravich qui joue? Ouais. À jouer comme ça. Je suis moi dans la cour. Tu sais que tu tires aussi vite qu'une mitraillette. Merci. Papa? Oui.
Qu'est-ce que tu fais? Je pense à la victoire d'hier soir. Tu as lu le journal aujourd'hui? Non. Bah tu devrais. Écoute ça. C'est un très grand match de basketball que nous a offert le lycée Daniel hier soir, grâce à la prestation d'un jeune garçon d'un mètre 57, Pete Maravich. Le gymnase du lycée n'avait plus vibré ainsi depuis le match de football disputé lors de la fête de fin d'année. Cette équipe, traditionnellement dominée par des joueurs plus âgés, conduite par Buddy Pendleton, a trouvé un second souffle avec le jeune Maravich aux commandes. C'est lui qui commandait. Ah, l'important, c'est qu'on l'ait gagné. Attends la suite. On avait l'impression que Pistol Pete et ses camarades... Pistol Pete? D'où ça sort, ce Pistol Pete? Eh ben, c'est un pseudonyme, comme... Houdini. Ça te fait pas bondir, ces inepties? Si t'as quelque chose à me dire, dis-le. Je veux virer Maravich de notre équipe. Il faut de l'unité dans une équipe, et aucun de nous l'aime. Pourquoi? Enfin, papa, c'est un sale petit morveux de quatrième, on est tous des seigneurs. Que fais-tu de nos traditions? Comment ça? Tu ne prends que des seniors. Je dis toujours que l'important, en fin de compte, c'est combien de matchs on gagne et on perd. Je pense que je vais le mettre dans le 5 majeur. À la place de qui? Bah, de Walker ou de toi. Tu sais que tout le monde nous voit déjà en finale. Ça n'arrivera jamais si Maravich vient semer la zizanie. Je vais y penser, fiston. Vire-le tout de suite, pas. Ça vaut mieux. On te soutient à fond. Ouais, surtout Walker. Je jouais majeur depuis plusieurs semaines et le lycée Daniel gagnait. Je sentais que je pouvais encore améliorer mon jeu. Comment tu fais ça? C'est mon père qui me l'a appris. Tu veux essayer? Tous les jours, j'allais à l'université Clemson. Papa me donnait des exercices à faire. Il appelait ça mes devoirs de basketball. Et c'est le devoir que je prenais du plaisir à faire. Un jour, le vieux Mousse est venu me trouver. Non, pas comme ça. Il m'a dit qu'il avait autant envie que moi de décrocher une bourse et qu'il voulait en mettre plein la vue à nos coéquipiers. Je décidai de lui proposer une initiation pour voir s'il était ou non un rêveur sérieux. Eh, c'est ça. Papa appelle ça le ricochet. Qui dégaine plus vite que son ombre. Essaie, Mousse. Bon, mets tes mains le long de tes cuisses comme si t'allais dégainer tes pistolets.
Claque des mains devant toi et attrape le ballon derrière toi. Ok? Concentre-toi et quoi que tu fasses, surtout m'écoute pas. Ouais, je sais le faire, moi, ça. Un peu, ouais. Et les doigts dans le nez. T'es prêt? Maurice, vas-y, essaye, abruti. Surtout, ne m'écoute pas. Hé, hey, Buddy, allez, essaye, tu devrais y arriver. On n'est pas au cirque, là. Je parie que Pistol Pete y arrive. Attention. Je n'avais pas encore conquis tout le monde, mais au moins Sandy avait l'air de me soutenir, même si elle gardait ses distances. Regardez ce qui se passe avec cette attaque. L'ailier s'arrange pour faire écran sur ce joueur et l'arrière en profite pour s'échapper en même temps. Un ici et l'autre ici. Il vous saoule avec ses histoires. Vous pouvez rentrer chez vous si vous en avez assez. Chérie, tu n'as rien qui brûle. Le pivot avance et il marque ce joueur pendant que l'autre avant se place sur la ligne de fond, comme ça. Il n'y a plus rien sur le feu. Eh bien, trouve quelque chose. Suivez-moi bien. C'est très simple. Papa continuait tard dans la nuit à parler de ses deux sujets favoris, le basketball et moi. Mais la nouvelle technique de basketball qui mettrait les spectateurs en délire et les ferait sauter sur leur siège 20 ans plus tard, expédiait quelques-uns des plus grands entraîneurs du pays dans les bras de Morphée. Vous verrez que j'ai raison. Prenez Pete, par exemple. Oui, ici, sous mon toit, j'ai la chance d'avoir le joueur de l'avenir. En un clin d'œil, il vous marque un panier et laisse la défense comme deux ronds de flanc. Bien sûr. Bien sûr, tout ça, c'est peine perdue si on n'a pas un 5 majeur qui fait tout pour que ça marche. Si personne n'assure derrière, c'est comme pisser dans un violon. C'est compris? Alors, ça va les nouvelles? Pistol Pete et Maître Mousse. Un docteur Piper, deux. Passe-moi ça, Myron. Eh ouais, t'es bon, dis donc. Ouais. Tu sais quoi, j'entraîne Mousse. Lui aussi, il va essayer de décrocher une bourse. Mousse? Ah bah ouais, Mousse. Mmh. Ouais, il est bien parti. Les journaux s'intéressent à nous de très près. Ils disent même qu'on est la meilleure équipe de l'État. De qui vous voulez parler, Monsieur Carr? Myron, ça va, commence pas. Tu le sais très bien. Ouais, un peu que je le sais. T'as de ces idées, toi? Myron pense que les Lions devraient jouer contre Cleveland. Il dit que c'est eux la meilleure équipe de l'État. L'équipe noire? Ouais, c'est à mourir de rire. Et si on essayait? Mais non. Non, là tu rêves, mon petit Pete. Rêve. Bah, c'est les meilleurs, oui ou non? Oui, monsieur. C'est sûr. Thank you.
le cœur. Je suis pas encore en miettes. D'accord. Une demi-heure. Tu veux rire? Il arrive à tenir une heure. Qu'est-ce qui se passe? De quoi vous parlez? On est en train de faire un petit pari au sujet de Maravich. Il paraît qu'il peut faire tourner le ballon sur son doigt pendant... une heure. Bon, allez, tu démarres quand la trotteuse est sur le 12. Restez là, les gars, si vous voulez vous marrer. Un pour le fric, deux pour la gloire. Trois, prêts, quatre, partez! Allez, tiens bon. Vous croyez qu'il va tenir longtemps comme ça? Respirez pas trop fort, les gars. Tu veux un coup de main? Allez, Pete. C'est bon, Pete. Concentre-toi. Viens. Allez, vous allez la fermer. Ah, je peux pas. Tu peux pas? Je peux pas m'arrêter. Ça va, ça roule. C'est bon, tu vas y arriver. Continue. Ça, c'est du cirque. Ouais, vous me la faites pas, moi. C'est dans la poche. Ouais, ouais, on se tient. Ah, c'est bien. Incroyable. Ouais, tu es prêt, bébé. C'est bon. Ça va? Le jeu de paix? Tigre? Je ne sais pas que tu m'impressionnes. Hé, hey, où tu vas? Tu peux pas faire attention. Demain, je dis, il va falloir que tu t'en passes. Que c'est un crack, il t'a traité de Minus. Bien sûr, j'ai entendu. Il a dit que t'es un Minus. Allez,
Bah, faites quelque chose, quoi. Il l'a seulement abrégé, hein. Salaud. Il allait toucher. Faites venir un médecin. Comment tu te sens? Ça va aller. Fais voir. Ah bah dis donc, quelle brute. Le médecin a parlé d'une légère commotion. Ça me rappelle quand je jouais pour les hommes de fer de Pittsburgh. On me suturait comme un ballon de football après chaque match. On nous appelait les 5 hommes de fer. Parce que vous étiez des durs, c'est ça? Oh non. C'est parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer plus de 5 joueurs. Il me suffisait de regarder mon père dans les yeux pour tout comprendre. Il n'avait pas besoin de dire un mot. Je ne pouvais pas m'en prendre physiquement au type qui m'avait blessé, mais il n'était pas question qu'il me démolisse ni qu'il m'empêche de jouer. Être assis là me rappelait les 10 matchs que j'avais passés sur le banc. J'avais toujours essayé de prétendre que ça ne me dérangeait pas, mais c'était faux. L'heure de vérité avait sonné pour moi. L'heure de faire un choix. L'occasion de leur prouver qu'ils se trompaient. Mon corps criait non, mais mon cœur criait plus fort. Que le spectacle continue. Ils nous tuent en amont. Il faut une défense de zone. On va se faire déborder, papa. Mais non, on va les isoler. Je peux pas lâcher leur pivot. Walker, tu bétonnes la ligne de fond, d'accord? Papa, file-moi la balle. Vite! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as rien à voir dans ce match. Maman, je pourrais jouer avec un bandit sur les yeux. Laisse-le jouer. On sera plus efficace d'homme à homme, vous croyez pas? Walker, quand je serai mort, tu prendras ma place. En attendant, tu la fermes. Est-ce que c'est compris? Et regardez. Bon, c'est bien compris. On fait comme j'ai dit. Qui va marquer leur pivot, alors? Quel âge tu as, Walker? 18 ans. Tu veux vivre jusqu'à 19? Oui. Alors, fais comme je t'ai dit. Reste du poulet et des haricots si vous avez un petit creux après ça. Merci, Carl. Merci. Il te faut des muscles pour la finale régionale et les haricots, ça fait grandir, alors mange. T'avais dit ça à propos des choux-fleurs. Tu as envie d'être grand? Oui, monsieur. Il n'a jamais entendu un grand type se faire traiter de haricots. Papa. Byron, un poulet haricot pour la 6. Ça suit. Bonjour. Ça sent le poulet à la mode Myron à un kilomètre. Je peux vous dire qu'il est délicieux. Je suis content que vous soyez venu. Asseyez-vous. Ah, ça me fait très plaisir que vous m'ayez invité. Il n'y a que Myron pour faire un aussi bon poulet. Oui, merci, monsieur Verne. Je connais Myron depuis environ 12 ans. À cette époque, il venait tondre mon gazon. Oui, monsieur, c'est exact. Ça devait être en 1949, quand je travaillais chez vous. De la rue des Prairies. 3 Dr Pepper. Et c'est gratuit. Merci, Carl.
donc, drôlement sympa aujourd'hui avec moi. Vous avez l'intention de m'emprunter du pognon ou quoi? Est-ce que vous êtes libre après dîner? Joséphine a sa mission évangélique à l'église. Ouais, je suis partant. Qu'est-ce que vous mijotez, Press? Un match de basketball. Un match amical. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce soir, nous allons vous faire voyager dans le futur. J'espère que vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Je crois qu'il n'y aura plus rien à expliquer d'ici une minute ou deux. Bonsoir et bienvenue dans le final de Cleveland. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Faites attention à votre portefeuille. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter Joe Rose. Attention les yeux, mon vieux. Le spectacle commence. Je peux vous garantir que mes parents doivent se retourner dans leur tombe. Encore, encore. Et Cleveland. Guerre bavard. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que c'est ça l'avenir du basketball? Dites-moi. Presse, enfin. D'accord. Est-ce que vous allez admettre que Cleveland assure? Oui, c'est un fait. Je crois qu'il pourrait vous battre. Où est-ce que vous voulez en venir au juste? Je veux en venir au fait que vous avez une opportunité d'imposer votre équipe dans cette partie des États-Unis. Le basketball doit évoluer dans cette direction. Vous l'avez senti ce soir. Vous avez perdu la tête. De quoi vous avez peur? Vous êtes en train de me dire que les nègres sont meilleurs que nous? Je vous dis qu'il est temps que ça change. Si vous combinez la force de votre jeu et l'énergie qu'il y a dans l'heure, vous aurez tout. Y compris ce championnat dont vous rêvez depuis des années. Bref, je vous remercie de me dire tout ça, mais je suis au regret de vous dire, mon cher, qu'il existe un certain nombre de choses qui ne changeront jamais. Il faut ouvrir votre esprit aux idées nouvelles. Pourquoi ne joueriez-vous pas contre Cleveland? Sinon, c'est une victoire facile que vous remporterez au championnat en évitant les meilleurs de l'État. Bonsoir, Press. Bonsoir, Pete. Bonsoir, messieurs. Pendleton. Faites quelque chose d'original au moins une fois dans votre vie. Championnat régional. C'était la finale locale. Tout le monde disait que les vainqueurs emporteraient les doigts dans le nez la finale d'État. Vous endormez pas sur vos lauriers, les gars! Notre jeu n'évoluait pas. Et je commençais à me demander si Pendleton avait compris les idées de papa quant à l'avenir du basketball. Peut-être une victoire en championnat d'État lui suffirait-elle. Cependant, tout le monde savait à quel point notre entraîneur détestait l'idée d'être moins bon qu'un autre. Même s'il s'agissait de l'équipe de Cleveland. Vous êtes
Bravo, bravo. Super, les gars. Extra. Merci, monsieur. Yeah. Ouais, ça suffit, un peu de silence. Écoutez. Et t'as vu un peu ce qu'on leur a dit? Asseyez-vous et taisez-vous. Cette fois, il n'y a aucun doute, si vous l'aimez. Yeah. Génial. Je me pose un tas de questions ces derniers temps. Je me demande ce que ça signifie d'avoir la meilleure équipe de l'État. Et oui, jusqu'à ces derniers jours, je croyais qu'on était la meilleure équipe de l'État. On est les meilleurs, monsieur. Oui. C'est exact. Tu as raison. Ouais. On est la meilleure équipe de blancs. Le reste, on s'en moque. Et à qui est-ce que tu penses ? Au lycée de Cleveland. Quoi ? Les Noirs ! Mais qu'est-ce que tu racontes pas ? Si on n'arrive pas à battre Cleveland, le championnat d'État, ce ne sera pas une vraie victoire, à mon avis. 19h30, lundi soir. Ce sera un match amical, je ne vous force pas à jouer. Mais si vous avez du cran, débrouillez-vous pour être là. Tu as intérêt à le faire changer d'avis. Ouais, t'en fais pas. Je vais lui dire deux mots. C'est vrai, t'as raison. Ouais. C'est incroyable. On a l'impression qu'il a des ailes. Je sais pas comment il fait. Mais... il ira loin si les petits cochons ne mangent pas. Eh ben, on se retrouve chez Tritz. Chut. Attention, le voilà. Dis, tu viens avec nous chez Tritz ce soir? J'en sais rien. Allez, viens. Pourquoi? Tu viens jamais faire la fête avec l'équipe après le match. On a tous envie que tu viennes. Oui. Oh oui, accepte. Pourquoi pas? J'ai rien contre. Sans cesse, tu m'inviteras à danser. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'étais un inadapté. Mettez-moi avec un ballon de basket au milieu d'une arène, devant des centaines de spectateurs, je m'en sortirais très bien. Mais chez Tritz, sur la piste de danse, avec Sandy, la petite amie de Buddy. Il était déjà furieux contre moi parce que je lui volais la vedette, et encore plus furieux parce que papa avait convaincu Pendleton de jouer contre l'équipe noire. Si par-dessus le marché, je dansais avec sa petite amie, c'est là que j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Tu m'as volé la vedette et tu l'as donnée à un gamin de quatrième. Maintenant, tu vas voir, c'est moi qui vais te la voler. Il n'y aura pas de match contre les nègres. Ne lève jamais la main sur ton père, mon garçon. Tu veux que je te fasse voir qui commande dans la famille? C'est vrai que je ne prenais que des seniors avant, mais j'ai jamais eu un Pete Maravich dans mon équipe. Ce genre de joueur, ça ne se retrouve qu'une seule fois dans toute une vie, crois-moi. Si tu savais ce que j'aurais aimé que tu sois comme lui... Je suis vraiment désolé de te décevoir. Tu peux toujours courir, je te promets qu'il n'aura pas lieu ton match, voilà. Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu étais chez Tritz. Je veux pas y aller. Pete, j'ai entendu tes copains. Ils ont envie que tu y ailles. Ça m'avancera à quoi? Ne dis pas de bêtises. Il y a des dizaines de filles qui meurent d'envie de danser avec Pistol Pete. Qu'est-ce qui ne va pas, Trésor? Ah, j'ai deviné. Tu as séché les cours de danse que je t'avais payés. Mais j'avais pas de temps à perdre. Fallait que je m'entraîne avec papa. C'est vrai, ça presse. C'est vrai quoi? On discutera de tout ça plus tard. Pete, je vais t'apprendre à danser et à draguer. Tu viens? Bon. Voilà. Allez, on y va. Tu conduis? Non, pas comme ça. Détends-toi. Tu suis le rythme. Voilà. Ça t'ennuierait qu'on danse sur une musique qui ne date pas du siècle dernier? Si tu arrives à danser là-dessus, tu sauras danser n'importe quoi. Quand le rythme devient lent, tu attires la fille contre toi. Comme ça. Des choses merveilleuses arrivent parfois quand on danse. Vous permettez?
Ma première rencontre avec cette femme merveilleuse et l'orchestre de Glenn Miller. Et c'est pendant ce morceau que je lui ai demandé de m'épouser. Alors, tu veux que je t'emmène chez Tritz? Ce serait dommage de décevoir toutes tes admiratrices. D'accord. Allez, on y va. Avait raison. Je n'allais jamais faire la fête après le match. Elle n'en reviendrait probablement pas quand elle verrait que j'avais répondu à son invitation. Je me demandais s'ils avaient vraiment envie de me voir là. En fait, ils ont été sympas quand je suis entré. C'était formidable. Vous et les gars de l'équipe m'ont félicité. Mais où était Sandy? J'avais peur de m'être fait des idées. Ça ne t'embête pas d'inviter une vieille comme moi à danser? Bah, que veux dire, Bonnie? T'occupe pas de lui, j'adore ce morceau. Allez, viens. Je lui plaisais pour de bon. Je n'en revenais pas. La soirée s'annonçait parfaite. Tiens. Merci. Vous savez que Pistol Pete a réussi 21 points et 10 passes décisives. Les points, il sert à boire. Quel homme, ce car. À boire, petite tête. Il ira loin, ce gamin. Bruce, cet avorton mérite une leçon. Qu'est-ce que tu regardes, le binocleur? Touche pas, ma nana, Pete. Mais enfin, on danse, c'est tout. Dis pas de bêtises, ça se passera pas comme ça, il me le paiera. T'as bu, quoi? Ça commence à bien faire, petit crétin. Je croyais que t'avais fait toutes les âneries de la terre et qu'on allait enfin avoir la paix. Et voilà que toi et ton vieux, vous voulez nous faire jouer contre une bande de Zoulous tout juste tombés de leur cocotier. Il n'y aura pas de match, Maravich. Je l'empêcherai par tous les moyens. Pourquoi? Tu peux te le mettre où je pense, ton match. D'accord, on va faire un vote. Qui veut jouer contre les nègres? Eh ben quoi, les mecs? Vous voulez que Cleveland déboule dans notre lycée? Pas question. Voilà la réponse, morveux. Ton père recevra la même, je t'assure. Tout le monde en a marre de ton cinéma. Toi et ton père, votre place est dans une foire ou dans un cirque. Tu crois peut-être que t'es un champion. T'es rien qu'un bouffon. Il t'acclame, mais en fait, il rigole de tes clowneries. Et c'est tout. J'ai envie de te réduire en purée. Je m'en vais. Allez, on se casse. Ça commençait à bien faire, les préjugés et l'égoïsme de Buddy. Mousse. Je savais que si je lui répondais, Buddy me ferait revivre ce que papa avait vécu quand il faisait partie des hommes de fer. Mais je décidais que quel que soit le prix que je devrais payer, il était temps que je mette les pieds dans le plat. Abruti! Qu'est-ce que t'as dit? T'as très bien entendu. Et puis c'est ce que t'es d'abord. Au lieu de penser qu'à toi, tu ferais mieux de penser à l'équipe et à Sandy. T'es sérieux quand tu dis ça? Je commence à te connaître. Si t'es si balèze que ça, qu'est-ce que tu penses qu'on dispute un match 1 contre 1? Et si je gagne, on joue contre Cleveland. Et si c'est moi qui gagne? Je démissionne. Tu crois que t'es si fort que ça? J'en suis certain. Ça marche, d'accord. Et cette fois, tes tours de passe-passe, tu les laisses au vestiaire, compris? Toi et moi, tout seul dans le gymnase, dans 20 minutes. L'heure de vérité avait sonné. Buddy m'avait traîné dans la boue devant Sandy et par la même occasion, il lui avait brisé le cœur. Il se trompait. Papa et moi n'étions pas des bouffons et j'allais le prouver à Buddy, à Sandy et à moi-même. Hé, hey, la menton, il paraît qu'on a trouvé ton ballon en bas.
Lycée Daniel, c'est pas du basket. Alors tâche de penser à tout ça ce week-end. Si tu acceptes de jouer au basket comme il faut, je suis d'accord pour te garder dans l'équipe. Sinon, laisse tomber. Si tu es malin, tu démissionnes ce soir. Bientôt les tours de magie, va falloir que tu t'en passes. T'es rien qu'un bouffon. Il t'acclame, en fait, il rigole de tes clowneries. Et c'est tout. J'ai envie de te réduire en purée. C'est elle qui m'a poussé, oui, qui m'a poussé à mieux faire. Je peux me tuer à te donner des conseils, mais tant que tu ne ressentiras pas la même brûlure, mes paroles ne voudront rien dire. Quand on y réfléchit, un rêve n'est rien qu'un énorme défi qu'on se lance à soi-même. Sûrement pas. On a fait un marché. T'es tombé dans le panneau, tu m'as cru. Alors dans ce cas, pourquoi t'es venu? Pourquoi, d'après toi? Je voulais pas tout casser chez Tritz. Ça m'aurait ennuyé de gâcher mon image de marque, en te démolissant. Non, Paddy. Sandy, qu'est-ce que tu fais ici? T'as rien à voir là-dedans. C'est entre moi et Maravich. Et moi? La limace, ne me dis pas que tu vas m'empêcher de lui casser la gueule. Non. Moi, si. Tu as fait un marché, Buddy. Pistol Pete t'a battu. Vous plaisantez, les mecs. On en a discuté. On est d'accord pour jouer contre l'équipe noire. Comme ça, on verra si on est si fort que ça. Avec... ou sans toi. Enfin, arrête un peu, c'est ridicule. On peut pas jouer contre ces gars-là. Lundi soir, 19h30. Si ça t'intéresse de savoir ce qu'on a dans le ventre. Allez, en route. J'ai réfléchi ces derniers temps pendant que j'étais assise sur les gradins. C'est vrai? Quand je te regarde, ça me donne envie de me mettre à rêver. Et tu rêves que t'es une actrice? Et plein d'autres choses. Fais gaffe, Marilyn Monroe. Pete, et si Cleveland nous battait? Penses-tu? Mais si ça se produit? Eh ben, on pourra toujours dire qu'on a essayé. Ce sera une rencontre dont ils se souviendront toute leur vie. Pete, t'es quelqu'un d'exceptionnel. Je sentis un frisson me parcourir de la tête aux orteils. Tu me raccompagnes? Je savais que c'était juste un baiser amical, mais je ne pouvais pas m'empêcher de souhaiter avoir quelques années de plus. En attendant, Sandy et moi pourrions au moins partager nos rêves. Tu sais, Pete, quand j'étais à l'université... on m'appelait l'homme qui marque un point par minute.
La plupart des gens ne voulaient pas croire que je puisse marquer 36 points par match. Mais ces gens-là, ils étaient prisonniers du passé. J'ai bien l'impression que c'est la toute première fois qu'une équipe blanche rencontre une équipe noire dans cette région. Il est fort possible qu'il n'y ait que ta mère et moi sur les gradins. Il me manquerait très fort. Alors là, je ne dirais sûrement pas le contraire. Mais est-ce que tes rêves à propos du basketball t'ont déjà lâché? Oui. Et tu sais pourquoi? Oui, je crois. Alors pourquoi tu continues? Si tu arrives à créer un moment magique, si tu offres à tes supporters quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, ils reviendront te voir, que tu perdes ou que tu gagnes. C'est ton boulot de les faire vibrer comme ils n'ont jamais vibré auparavant. Et de mettre de l'espoir dans leur vie. Je crois que tes rêves te lâchent quand tu prends conscience que la moitié des gens que tu vois ne comprendront jamais. Ils disent de moi que je suis un crack. Mais en réalité, ils attendent que je me donne en spectacle, c'est tout. Eh bien, fais-le. Oui, mais parfois, j'en ai marre et j'ai envie de rentrer dans le rang. Ce genre de choix, tu es vraiment le seul à pouvoir le faire. Mais si c'était moi, je leur offrirais un spectacle inoubliable. De toute manière, je t'aime, Pete. Et je t'aimerai toujours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Cleveland joue d'une façon qui ne ressemble en rien à celle des équipes rencontrées jusque-là. Ils courent comme des dératés, ils passent leur temps à s'interpeller, ils ont trois gars qui marquent plus de 22 points par match, ils tirent tous, ils courent tous, ils jouent tous. Et ils sont très fiers de leurs 48 victoires consécutives. N'oubliez pas, Buddy n'est pas là, et on ne peut pas se permettre de faire la moindre faute. Carl. Seigneur, vous avez dit que tout est possible avec vous. Aidez-nous. Merci. Allez! Et c'est bien compris, les gars. Pas de pitié. Un, deux, trois, les gars! Allez, c'est parti. Allez, allez-y. Puis je t'ai laissé libre de tes mouvements et c'est vrai qu'on a gagné pas mal de matchs. On ne peut pas battre ces gars-là en jouant leur style de jeu. On les battra en jouant de la seule façon que je connaisse. La force et le béaba du basketball. D'accord? Allez, file. Pas ça, le béaba du
avoir. Non, ils nous écrasent. Jouer un basket classique, soigner la défense, on peut les battre, ces gars-là. Allez, c'est parti, on les aura. Tout de suite. En plein milieu du match, ça va pas? Tu crieras pour moi. Rapporte-moi des pop-corn. Tu vois là, c'est l'avenir, Buddy. Des tirs super et des bases hyper solides. Pete et certains de ses joueurs ont plus de 20 ans d'avance. T'as du talent, toi aussi. Soit tu sautes dans le train, soit tu restes sur le quai. Qu'est-ce qui te prend? Pete a un mec collé à lui comme un frère siamois et toi, tu ne fais rien pour l'aider. Et qu'est-ce que vous avez, les gars? Vous jouez comme si on ne pouvait pas les battre. On peut les battre. Peut-être que je me suis trompé à propos de cette équipe. Je croyais que vous aviez du cran. Je peux dire quelque chose? Je voudrais vous présenter mes excuses. J'ai déconné cette année. Je veux juste dire que je suis désolé. Cette équipe, c'est tout pour moi. Je sais que j'ai pu donner l'impression d'être égoïste. C'est vrai, j'y ai été. Papa, je voudrais jouer ce soir. C'est bon. Va te mettre en tenue. Allez, c'est reparti. Allez, faut y aller. C'est parti. Alors, sans rancune? Non, sans rancune. Si on veut gagner, toi et moi, faut bosser ensemble. Eh, Buddy? Oui? Je continue à penser que t'es un abruti. Moi aussi. Bon, où est mon 5 majeur? Alors, CD, Mousse, Bic, Pic. Je sais, monsieur, Walker. Allez, on les aura. C'est parti! 1, 2, 3, et on! Mieux.
pas mal. Enfin, si ça marche, après tout, pourquoi pas. Tous ici. On a le temps d'en marquer un. Vite, tu m'as converti. Fais-moi un des tours de passe-passe. Un, deux, trois, les gars ! Ce que je ressentis à cet instant. J'avais reçu un rêve en héritage. Un rêve devenu réalité. Papa avait raison. Les supporters avaient envie qu'on leur offre un moment magique. Un moment où ils permettaient à leur imagination de s'enflammer. Et où ils croyaient que tout était possible. Que l'on gagne ou que l'on perde. Ils revenaient match après match. Voir un gamin aux chaussettes en tire-bouchon. Connu sous le nom de Pistol Pete. Presmarevitch consacra sa vie à faire que les rêves de son fils se réalisent. Les exploits de Pistol Pete devinrent légendaires. Il fut le plus jeune professionnel à figurer dans les annales du basketball. Ses records ont résisté pendant 20 ans à l'épreuve du temps et avec une moyenne de 44 points par match, il conserve le record universitaire absolu. Ce film est dédié à la mémoire de Pistol Pete Maravich, mort le 5 janvier 1988, à ses fils et aux enfants du monde entier. Avec amour, patience et ténacité, les rêves peuvent devenir réalité. See you.
bien, voilà encore une bonne soirée passée ensemble. J'espère que ça vous a plu. Mardi prochain, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Et je vous propose tout de suite d'en voir un petit résumé. Un petit cow-boy et son grand-père affrontent la rudesse de l'hiver au Wyoming. Ton grand-père a eu ce qu'on appelle une attaque. Je veux disputer la grande course, monsieur le maire. Ne cours pas si Oiseau de Feu est engagé aussi. Une course haletante contre un chef indien. L'enfant au traîneau. Ça s'annonce plutôt bien, non? Alors, n'oubliez pas votre prochain rendez-vous. Avec mardi, c'est permis. D'ici là, soyez patients et passez une excellente semaine. À mardi prochain.